petit château, ce qu'on appelle le petit château à Sceaux, dans le parc de Sceaux, et l'entrée est rue du Docteur Berger. Donc si vous venez ici, vous voyez, là Jaïda prend le film, pour voir où c'est, il y a une petite fontaine, un jardin, bon, pas très fleuri, mais ça va venir. Quand vous viendrez tous le 19 avril à 16h, tout se mettra là. Alors j'espère qu'on sera très nombreux, puisque c'est le début d'un grand mouvement en France. Et ce sera donc pour réciter le premier texte classique. On a déjà commencé en mars, mais il y a eu les élections, il y a eu beaucoup de choses qui font qu'on continue en avril et que le jour du rassemblement, c'est donc au parc de Sceaux à 16h. Dimanche 19 avril, sous mon arbre, derrière le petit château du parc de Sceaux, entrée rue du Docteur Berger. Qu'est-ce qu'on va dire ce jour-là? On sera des milliers, peut-être des centaines de milliers, peut-être qu'il y aura que Jaïda et moi, ça ne fait rien, le texte sera quand même là, et c'est toujours ce texte. Je l'ai déjà récité devant chez Jaïda, que j'avais trouvé, dont j'avais trouvé le l'adresse grâce à mon bracelet. D'ailleurs, c'est grâce à mon bracelet que j'ai retrouvé l'endroit où on a brassé. Voilà, ce texte est Le Printemps de Charles d'Orléans. Je vous le redis. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau dans son jardin de champ. Chacun s'habille de nouveau, le temps a laissé son monde. Il faut dire que contrairement à Jaïda qui me fait, je me fous de la mode. Alors qu'on se change tous, je veux dire que ça ne me parle au plus profond de moi-même. C'est pour ça que j'ai oublié